Au sommaire de cette nouvelle édition, que peut-on noter, que peut-on mettre bien sûr à l'actif des pré-campagnes présidentielles au Togo? Nous allons essayer de décortiquer cette question tout de suite dans cette nouvelle édition. Le sommet bien sûr du G5 Sahel a eu lieu à Pau. Les chefs d'État ont-ils raison maintenant de signer et de renouveler cet accord avec Emmanuel Macron? Nous allons voir quand même le développement tout de suite. Les archives seront consultées dans cette édition. Le parcours, bien sûr, du feu général Gnassingbé Yadema pour mieux situer les candidats aux élections présidentielles de 2020 au Togo. Pour concernant leurs promesses vaines qu'ils font, nous allons voir tout de suite la manière dont le général Gnassingbé Yadema a donné quand même ses conseils à ses membres du gouvernement. Mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Bonsoir, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire. Lors du règne du feu général Gnassingbé Eyadema, à chaque année de l'histoire, il fête la date de son arrivée au pouvoir qui a été considérée comme la date de la libération du peuple togolais. Mais le 13 janvier de chaque année, la sortie officielle et les invités de gauche à droite sont quand même à l'heure avec le général Gnassingbé Eyadema que je vous propose de retrouver en archive. Qui fête aujourd'hui le 37e anniversaire de la libération nationale. Après des années de déchirement, de querelles intestines, de chasse à l'homme, d'anarchie, de chaos, il a fallu un 13 janvier pour que tout cela prend fin avec l'avènement du président Yadema qui a mis fin aux querelles, la chasse à l'homme pour faire du Togo un havre de paix qui fait bon vivre. Président de la République.
bourgeoisie actuelle, chef de l'État, salut. Toutes les différentes personnalités qui ont pris part à la nation étrangère venue prendre part à ce défilé, marquant l'apothéose. Voilà, je le disais, nous sommes donc en direct du boulevard du Mono, ici, où le chef de l'État... Voilà, mesdames et messieurs, tel est quand même l'événement, la manière dont le général Gnassingbé Yadema commémore bien sûr son arrivée au pouvoir en 1967. Voilà, c'était tellement délicat dans le temps passé, mais quand même, il faudrait qu'on se rappelle de ce temps également. Mais néanmoins, les Togolais ont été victimes, tellement victimes bien sûr de son règne. À l'occasion de l'arrivée de son fils fort Essos Gnassingbé en 2005, une organisation mise en place a été mise en place bien sûr pour essayer de consulter les victimes du règne du feu Yadema, ceux qui ont été quand même torturés avec des amertumes. Cette organisation dénommée la CVJR a été mise sous la conduite bien sûr du Monseigneur Bariga pour essayer d'écouter les Togolais pour ce qui concerne la contorsion causée par le gouvernement du feu Yadema. Suivons une portion de leur travail. Le troisième événement, le 25 janvier 1993, c'est dans ma maison que les leaders s'étaient réunis. Puisque j'habitais, c'était moi parmi les leaders, j'étais celui qui était le plus proche de la place Fréau. Donc, on s'était donné rendez-vous chez moi. À l'exception de Ninevi, tout le monde était là. Ninevi est resté chez lui, était en train de coordonner les affaires avec Kodjo Agbeyobe, puisqu'il avait des informations comme quoi les choses allaient aller mal. Donc, il appelait Kodjo Agbeyobe. Ça, je crois que sur ce point-là, chacun a pu vous dire exactement comment les choses se sont passées. Mais nous, on attendait Ninevi chez moi, à la maison, à Noukopé, à quelques mètres de la paroisse franciscaine de Noukopé. Et tout le monde était là, Tchobo Boukari, Abo Yibo, Ayeva Zarifou, tous, à l'exception de Ninevi. Antoine Folie n'était pas venu. Si je le mentionne, c'est que ça a son importance après. Alors, on est là, on attend. Je téléphone à Ninevi de temps en temps. Il me dit, mais écoute, les gens sont là depuis longtemps déjà. Ils vont finir par se disperser ou se décourager. Mais les hommes et les femmes, je dirais même les femmes et les hommes, ils sont arrivés à cette place, ce n'étaient pas des gens qui pouvaient repartir. Ils étaient là avec une bougie pour accueillir nos hôtes de marque qui étaient de passage. Le ministre français Debarge, ministre de la coopération, Debarge, ministre de la coopération, et le ministre adjoint des Affaires étrangères, Schaeffer de l'Allemagne. Ils étaient partis en avion pour rencontrer le chef de l'État qui se trouvait à Pia. Nous avions décidé depuis longtemps, lorsque nous avions appris qu'ils allaient venir, que nous allions leur faire une réception populaire pour qu'ils puissent aller dire à l'extérieur ce que voulait le peuple togolais. Il y avait une foule considérable. Mais le temps passait. Le temps passait. Je rappelle Ninevi, je dis, mais tu sais, il faut que... Il me dit, mais l'avion n'a pas décollé de Niamtougou. L'avion n'a pas décollé. Donc il ne faut pas qu'on aille s'exposer là-bas des heures et des heures sans être sûr. Je reçois un coup de fil. Quelques temps après, c'était M. Bipi Benissan,
le syndicaliste. Il me dit, mais Edouard, je ne sais pas. Les gens commencent à s'impatienter, ils attendent les leaders. Tu lui dis, mais j'ai vu une vie qui me dit que il est en communication avec la tour de contrôle pour savoir si l'avion va atterrir et comme ça, on n'irait pas là-bas trop longtemps à l'avance. Il dit, qu'est-ce qu'on fait alors? Je lui dis, demande à Koubaja Touré, que Dieu ait son âme, lui aussi, a quitté cette terre. Koubaja Touré, qui était célèbre par ses turbans. Je lui dis, demande-lui, c'est un excellent orateur, il va trouver, il a du bagou, il va trouver des choses à dire pour maintenir la foule, pour contenir la foule. Elle a dit, bon, je vais le faire. Il est parti, il a vu Koubaja Touré qui, avec les fanfares et les orchestres, essayait de parler à la foule. Puis subitement, je reçois un autre coup de fil, toujours du même pipi. Il me dit, mais Edouard, ça va mal, hein? J'ai l'impression que maintenant, on voit des gens s'agiter partout. J'ai l'impression que les militaires sont en train de faire du grabuge un peu plus loin. D'ailleurs, j'entends des coups de fil, j'entends des coups de feu. Lui aussi, il s'est évaporé dans la nature. Qui peut lui reprocher? Un leader, ma foi, ça peut faire mal parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont souffert. C'était nos mamans, dont certaines ont été piétinées. On a vu des mamans chercher à monter les murs. Bon, ouais, tout ça. Voilà, mesdames et messieurs, telle est quand même l'œuvre de la CVJR, mais je vous rappelle que après cette organisation, il y a quand même une autre structure qui a été mise en place, dénommée HCRUN, qui va essayer de relayer la CVJR dans ses actions pour essayer de récompenser les Togolais qui ont été quand même victimes lors de la conduite du feu général et Yadema. Voilà, pour les campagnes présidentielles, le fait de faire beaucoup de promesses sont quand même, la promesse est une dette. Celle a démarré quand même, a dénoncé bien sûr certains adages. Alors, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État togolais, il s'agit bien sûr du général Ignacy Bayadema, qui donnait l'instruction à ses membres du gouvernement de ne pas faire quand même des promesses lors des campagnes présidentielles. Sinon, le temps est si vite et ça rattrape, vous n'aurez pas des éléments quand même de réponse pour faire des comptes rendus à la population. Suivons un peu le série de reportages du général Ignacy Bayadema. Avec vos fameux mots, tel est du nord, tel est du sud, vous êtes en train de perdre du temps inutile. Personne d'entre vous n'a jamais demandé à être là où il est né. Nous ne pouvons pas non plus nous révéler contre Dieu. Mais pour la campagne, faites comme moi. Je ne fais jamais de promesses. Parce que des fois, on devient une victime de sa promesse. Ne faites pas de promesses. La seule promesse que j'ai toujours faite, c'est la paix, la stabilité. S'il y a la paix, s'il y a la stabilité, rien n'est impossible. Mais le reste des promesses, si je suis libre, demain, ceci, cela, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Vous savez, le vent va, le temps va vite. Et demain, vous allez le retrouver. Et c'est lui, n'est-ce pas, de te poser la question. Vous avez fait des promesses. Si vous étiez élu, vous allez faire telle chose. Vous êtes élu depuis, qu'est-ce que vous avez fait? On commence à gratter la tête. Ah, non, mais pour cette fois, je le ferai. Ne faites pas des promesses parce que des fois, on devient victime. Voilà, mesdames et messieurs, tel est quand même les propos du vieux sage, bien sûr, du Togo, père à son âme, il est déjà au-delà de la vie.
Voilà, les mobilisations commencent déjà pour le compte de l'ancien Premier ministre Gabriel Messa Agbeyome-Kodjo. Il est bien sûr soutenu par déjà une tranche de la jeunesse, de la société civile que je vous propose de suivre. Révolution contre le chômage au Togo. Agbeyome-Kodjo. Qui peut réconcilier les Togolais? Agbeyome-Kodjo. Qui peut sauver les Togolais? Agbeyome-Kodjo. Qui peut réconcilier les Togolais? Agbeyome-Kodjo. Qui peut garantir la paix au Togo? Agbeyome-Kodjo. Qui peut gouverner pour tous les Togolais? Agbeyome-Kodjo. Je vous remercie. Vive le peuple togolais. Agbeyome-Kodjo. Agbeyome-Kodjo. Voilà les pré-campagnes qui ont déjà démarré au Togo, mais je vous rappelle que l'heure est tellement sensible sur la scène politique togolaise aujourd'hui. Nous sommes déjà dans les processus, bien sûr, des élections présidentielles de 2020, prévues pour le 22 février prochain pour son premier tour. Alors, les dirigeants des pays du G5 Sahel étaient en sommet le 13 janvier dernier à Pau, au sud de la France, avec Emmanuel Macron pour détecter une nouvelle stratégie contre le groupe djihadiste. Mais est-ce que ces présidents du G5 Sahel ont raison d'aller renouveler ce contrat avec le chef de l'État français? Ils se sont vus confrontés par des mobilisations des compatriotes africains qui se retrouvent de l'autre côté. Suivons un peu la manière dont nos reporters de Tempo Afrique TV nous ont reporté les scènes. Pouvez-vous comprendre qu'il existe 35 000 soldats de différentes nationalités, dont Barkhane et MINUSMA, qui sont en Afrique, dans la bande sahélo-sahélienne? Comment vous pouvez comprendre cela et que tous les jours nous avons des morts, tous les jours nous avons des villes qui tombent, tous les jours nous avons des mamans qui pleurent, tous les jours nous avons, si je peux vous dire, il ne faut pas particulariser, mais là je voudrais le dire, comment vous pouvez comprendre qu'au Mali il y ait 940 écoles fermées et que le monde entier ne bouge pas le petit doigt? Comment vous pouvez comprendre que nos enfants prennent la mer Méditerranée et venir mourir? Personne ne lève le petit doigt, soit disant que c'est comme ça, c'est la guerre. La guerre, si la France voulait, Barkhane est arrivé en 2012 pour aider le Mali, pour aider les pays de la zone du G5 Sahel. De 2012 à aujourd'hui, ça fait 7 ans. 7 ans durant. La France, c'est 5e puissance du monde. La France, c'est la France qui dirige la MINUSMA. Tous les responsables de la MINUSMA, c'est la France. Comment se fait-il qu'une grande puissance, 5e du monde, ne puisse pas venir à bout de 3000 djihadistes alors qu'il y a 4500 soldats de Barkhane, il y a 15 000 soldats de la MINUSMA, il y a les autres qui sont là, 35 000, j'ai bien dit. Comment tout ce monde ne peut pas venir au bout de 3 000 djihadistes qui sont là? Donc nous nous posons la question, puisque Macron a dit qu'il va demander à nos chefs d'État de venir éclaircir leur position vis-à-vis de Barkhane, vis-à-vis de la France. Et nous, nous venons demander à Macron qu'il nous dise quelle est sa politique dans cette bande de la zone sahélo-sahélienne. Sinon, si nous n'avons pas d'éclaircissement, nous sommes le peuple souverain et nous voulons avoir nos chefs d'État qui sont des goudillots, qui sont les préfets de la France. Nous venons leur dire, ces chefs d'État goudillots, que c'est nos voix qui comptent. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes
demandons, nous demandons à Macron de venir nous éclairer sa position dans cette zone-là. Voilà mes enfants, j'ai introduit, allez-y de votre cœur. Nous ne sommes pas contre le peuple français. Le peuple français, c'est nos amis. Nous avons vécu des siècles ensemble. Nous devons être côte à côte parce que si l'Afrique tombe, la France ne sera pas épargnée. Donc soyons le peuple français, nous sommes des amis. Luttons ensemble pour que les choses aillent mieux dans cette bande de la zone sahélo-sahélienne. Merci de votre écoute. Voilà les réactions contre le G5 Sahel, ce sommet qui a été organisé par Emmanuel Macron, mais finalement, quoi qu'on dise, le contrat a été renouvelé par les chefs d'État du G5 Sahel avec leur homologue Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron n'a pas le droit de convoquer, de tendre une convocation aux chefs d'État du G5 Sahel pour clarifier leur position concernant le contrat qui a été abrogé. Mais il va falloir qu'il leur tende plutôt une invitation, du moins pour leur minimum considération qu'il doit aux chefs d'État africains. Telles sont quand même les estimations et les avis contre, bien sûr, à l'action posée par Emmanuel Macron, dont ce compatriote africain est en train d'évoquer au micro de nos reporters de Tempo Afrique TV. De Paris à Pau, il faut compter plus de 800 km et plus de 10 heures de trajet en car. C'est ce qu'une coalition d'Africains issus de tout le continent a traversé de la nuit du 12 au 13 pour rejoindre Pau, là où Emmanuel Macron n'a pas invité les 5 chefs d'État du G5 Sahel. Il les a convoqués. Et pourquoi il les a convoqués? De plus en plus sur le continent africain, il y a un sentiment de nervosité qui monte, un sentiment d'arnaque, un sentiment de déjà-vu. Depuis les indépendances, l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique francophone, est sous l'emprise négative de la France. Et ça, la jeunesse africaine aujourd'hui, mieux éduquée, qui rivalise avec les jeunesses du monde entier, n'est pas prête à accepter ça. Et donc de plus en plus, le rôle de la France, l'influence de la France, la partition de l'Afrique par la France est de plus en plus dénoncée, aussi bien dans la rue que dans les milieux politiques. Et là où la chose a atteint son point culminant, c'est lorsque l'artiste-chanteur d'origine malienne, Salif Keïta, en presque 4 minutes, a dénoncé le rôle de la France au Mali, a nommé le président Ibrahim Boubacar Keïta, l'a qualifié d'incapable et lui a fait une injonction d'arrêter de se soumettre au président français Emmanuel Macron. Et là, en 4 minutes, Salif Keïta venait peut-être de réaliser l'album le plus réussi de toute sa carrière, 50 ans de carrière, 70 ans de vie. Il a toujours été engagé, mais les gens n'y ont pas prêté attention. Il a fallu qu'il prenne la parole dans une vidéo live sur ses comptes sociaux, une vidéo dans laquelle il dit clairement ce que pense toute la jeunesse africaine et même tous les Africains aujourd'hui. Les Africains n'en peuvent plus du rôle joué par la France globalement en Afrique et notamment au Sahel. L'onde de choc a touché Paris. L'ambassadeur de France à Bamako a tenté de donner une réponse à l'invective de Salif Keïta. Et l'Élysée lui-même, certainement a pris de panique, a immédiatement convoqué les chefs d'État du G5 Sahel, soi-disant pour qu'ils viennent clarifier leur position. Et pour rafraîchir la mémoire du public, il faut savoir que les populations en Afrique, la jeunesse africaine elle-même dénonce l'attitude des chefs d'État de ces pays du G5 Sahel en particulier, mais plus globalement de tous les pays dirigés où la langue officielle est la langue française. Et ces jeunesses-là aujourd'hui ne comprennent pas comment les présidents que eux ont, semble-t-il, élus se soumettent autant au diktat de la France. Et donc, quand Emmanuel Macron, sachant bien que les chefs d'État du G5 Sahel n'ont jamais eu une position différente de celle de la France, n'ont jamais eu un verbe plus haut que ce que Macron veut bien entendre. Quand Emmanuel Macron convoque ses chefs d'État à Pau, ça nous fait rappeler deux choses. Premièrement, les 13 soldats français qui ont été tués dans un accrochage en 2 hélicoptères français dans le Sahel, parmi ces 13 soldats, 7 sont originaires de Pau.
Et de la même manière que les opinions en Afrique s'élèvent petit à petit pour dénoncer le déséquilibre économique, sécuritaire, humanitaire de l'Afrique, et de la même manière, les opinions en France sont en train de se poser la question sur la pertinence des opérations militaires extérieures, et notamment celles du Sahel. Les populations françaises sont en train de se demander aujourd'hui si effectivement c'est tout à fait nécessaire que l'armée française aille intervenir dans une guerre qui est si lointaine de son territoire. Et donc, cela permet certainement à Emmanuel Macron d'apaiser les opinions en invitant ces 5 chefs d'État qui, avec cette manière-là de les convoquer, ressemblent plus à des coupables. C'est comme si c'était eux qui avaient tué les 13 soldats français au Sahel. Et donc, en les faisant venir manu militari à Pau, sachant que en ce moment même où je vous parle, il y a plus de 200 soldats nigériens qui ont été abattus froidement. On aurait pu reporter cette réunion-là ici à Pau. Et où on aurait pu déplacer cette réunion-là sur le territoire africain. Il aurait pu se passer à Niamey, il aurait pu se passer à Bamako, il aurait pu se passer au Burkina Faso. Chaque jour que Dieu... Voilà, mesdames et messieurs, les propos recueillis par les reporters, bien sûr, de Tempo Afrique TV qui sont présents sur le terrain. Voilà, revenons maintenant sur le territoire togolais. Et le président togolais, dès son annonce à participer bien sûr aux élections présidentielles de 2020, a entamé une tournée à l'intérieur du pays pour ce qui concerne les explications de sa candidature et les propos de pré-campagne. Et un accueil chaleureux a été réservé pour le chef de l'État togolais, le président sortant bien sûr qui est candidat à sa succession. Suivons un peu la manière dont l'accueil a été réservé sur le territoire des Atakpamé dans la région des plateaux au Togo. Voilà, mesdames et messieurs, tels sont quand même les éléments vidéo que vous suivez avec nous. Voilà, Fort et Sosna Nyasimbe a été bien accueilli à Atakpamé, bien sûr, le moment où il essaie quand même d'expliquer un peu son dossier de candidature qu'il a déposé à la CENI déjà, en remplissant bien les conditions et déclaré officiel candidat à sa succession. Donc, déjà, les propos, bien sûr, de pré-campagne ont démarré et les promesses ont déjà commencé avec le parti au pouvoir Unir. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de remercier maintenant les reporters de Tempo Afrique TV qui ont réalisé beaucoup d'efforts pour nous ramener ces éléments sonores pour les explications des événements politiques qui se passent sur le terrain. Merci, mesdames et messieurs, d'être branchés sur Tempo Afrique TV, tel qui met fin à cette nouvelle édition. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Je me nomme Gabriel Adona au micro. Nous vous retrouvons d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bye bye. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV.